On a tout dit, tout écrit sur Jacques Chirac. Le meilleur et le pire. C'est un conquérant. Il a aimé le pouvoir. Quand Jacques Chirac rentre dans une pièce, son autorité est présente. Il avait avec la vérité une relation très particulière. C'est vrai qu'il ment parfois. J'ai écrit plus de 1000 pages sur lui et pourtant, je ne sais pas vraiment qui est Chirac. Il n'est jamais celui que l'on croit. C'est une énigme qu'on va essayer de déchiffrer ensemble. C'est quelqu'un de très compliqué quand même, Jacques Chirac. C'est un président paradoxal. Beaucoup s'y sont d'ailleurs cassés les dents. Regardez-le le soir où il est devenu président, en 1995. Mes chers compatriotes. Il a une gueule, une belle allure, il en impose. Il a une vraie tête de président. Il était fait pour ce rôle. Je serai le président de tous les Français. Le président de tous les Français, bon, allez, c'est vrai, ça n'a pas toujours été le cas. Mais on pardonne tout à Jacques Chirac. Ses erreurs, ses errements, ses fautes, c'est comme ça. Les Français l'aiment bien, même quand ils n'ont pas ses idées. Et surtout, bonne chance pour l'avenir. Merci beaucoup. Pour l'avenir. Même moi, je ne suis pas capable de vous dire qui est vraiment Jacques Chirac. C'est un grand tueur politique. Mais en même temps, c'est un homme de gauche. Non, il n'est pas de gauche. Alors, moi, je trouve qu'il est de droite, oui. Il n'est pas de droite, il n'est pas de gauche. Il y a une chose qui nous unit, de ne jamais pactiser avec l'extrême droite. C'est certain, aucun autre président n'a su tâter comme lui le cul des vaches. Aucun n'a englouti autant de charcuterie. Ni serré autant de mains tendues. C'est l'image que l'on garde de lui. Un bel et grand échalas ripailleur et sympathique. Certes un peu menteur, certes un peu filou, mais qui nous ressemble tellement qu'on ne peut pas lui en vouloir. Un chef de tribu gauloise. Mais qui est-il vraiment cet homme que nous avons porté deux fois de suite au pouvoir suprême? Qui se cache derrière ce masque souriant? Je réponds à cette question. Allez, suivez-moi. Je vous emmène derrière le rideau des apparences pour une plongée en Chiraki. Vous voulez pas venir? Attention, ça va secouer. Coupé.